Quand je travaillais en usine, il fallait marquer sur un carnet ce qu'on faisait dans la journée. Et ça me pourrissait la vie, parce que je ne savais pas comment écrire, comment il fallait le mettre et tout. Et puis une fois, c'est pareil, il fallait écrire tuyau sur une clayette, parce que pour mettre, que j'avais mis des tuyaux dans un bac, dans une clayette. Puis il fallait écrire tuyau sur l'ardoise. J'ai fait le tour de l'usine, je cherchais partout tuyau, pour voir comment ça s'écrivait. Que j'aurais demandé à quelqu'un, bon, si j'avais peur qu'il se moque de moi. À l'époque, je ne pouvais pas demander, j'ai pas osé le demander, parce que je voulais le cacher. Chaîne des savoirs 2012-2013. Assemblée générale le 8 novembre 2013. Présenté par le maillon de l'Ain. Trésorerie. Nous accueillons 36 personnes. Ça. Dans chaque pochette, voilà. Vous voyez, il y a. J'étais chauffeuse avant, chauffer les pièces. Les lavabos, les cuvettes, on regarde s'il y a des défauts d'abord, puis après on les lave, et après les laver, on les chauffe. Voilà, c'est tout que je faisais. Alors j'avais pas besoin de savoir ni lire, ni écrire. En France, il y a 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme, dont 53% travaillent. Ça concerne donc toutes les personnes qui ont eu une scolarité obligatoire, depuis la maternelle ou le CP jusqu'à la troisième, hein, et qui en sortant se retrouvent en situation de non-maîtrise des savoirs de base. Parce que moi j'ai pas de problème avec, si, il faut d'orthographe, mais sinon... Non, c'est que j'avais simplement eu un problème de l'orientation qui a pas été... J'ai mal passé la cinquième. C'est un truc qui m'a... Rejeter l'école, j'ai... Ça m'avait bloqué. Après, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont mis à la porte. Après, ça fait 5 ans que je n'ai pas retrouvé de boulot. J'ai O. Non, c'est pas que tu as la bouche. N. A. Non, j'ai un truc que vous m'avez donné. N. C'était... L. C'est quelqu'un qui m'a dit d'aller à l'école. C'est sans repas, sans, on ne sait pas les maîtriser, on ne peut pas trouver du travail. J'ai eu un patron qui m'a dit j'aime pas les gens qui ne savent pas lire ni écrire. Ça m'a fait mal. Et je ne veux plus de patron. Je veux devenir moi-même patron. Soit à la restauration, puis ça, faut savoir bien lire. Parce qu'il y a des ingrédients, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est comme ingrédient. Moi, je vais présenter le bilan financier de la chaîne des savoirs, qui est très bon. L'illettrisme peut être une source de ségrégation, et puis c'est bien un handicap social de toute façon auquel il peut être remédié. Ça représente un budget d'environ 100 000 euros. Tous les ans, il faut rechercher des crédits. Il faut rechercher des ressources parce qu'on a des fondations, on a eu la Fondation Orange, Fondation Caisse d'Épargne, etc. Mais tous les ans, il faut se remettre à la recherche de crédits et de ressources. Demain, je vais parler parce qu'on a fait une rencontre à Orléans sur l'illettrice. Et j'ai parlé de mes problèmes et puis tout ça, de mes progrès. Et puis j'ai parlé avec une enseignante, et elle m'a dit que c'était bien de témoigner comme ça devant le public. Moi, je raconte un petit peu ma vie parce que c'est pour aider. Aider d'autres personnes. Et l'association, c'est chercher de l'argent à droite et à gauche pour faire rentrer de l'argent dans ce système. Et bien aujourd'hui, je lis beaucoup pour savoir écrire. Parce que même il disait à la télé là, hier, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture, et il disait qu'il fallait lire beaucoup. Mercredi dernier, j'ai fait un chèque, la première fois. Je m'étais coupé un peu du monde extérieur, et puis après quand on m'a remis dans le bain, ben après tout, ça m'a fait quand même 15 ans, 20 ans en arrière. Maintenant je veux redécouvrir, être comment, comme le petit du faucon, vous savez ce que ça veut dire? Le petit du faucon, c'est un oiseau qui niaise, il n'est pas sorti du nid encore, donc j'ai oublié mon volet, maintenant c'est bon, il est sorti. C'est dire à causer devant les autres.
devant tout le monde. J'avais peur que les gens se portent, que se moquent de moi. Puis maintenant, ben, j'ai plus peur. J'ai dit normalement. Non, maintenant, j'ai plus peur. Moi, tuyau, je l'aurais écrit avec deux L. Je voulais mettre deux L avec tuyau, mais en fin de compte, non, c'est un Y. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en a, ça me fait peur, il y en a d'autres, non. D'accord. Ça dépend comment ça va être demain, si je ne vais pas pleurer.